cette émission est à propos de jeux de société. Alors, il n'est pas question que l'on se prenne la tête. Nous allons parler de pingouins, même si dans Glisse-Glace, ce sont des manchots. Eh ben ouais, tant pis. On va dire pingouins. Ouais, hein, pingouins, c'est très bien. Ouais. Eh ben justement, Théo, il nous a donné son aval. Ça veut dire que c'est possible. On a un aval sur les trois auteurs, puisqu'ils sont trois autour de Glisse-Glace chez Djeco. Il y a Théo Rivière et il est là. Salut Théo. Salut, ça bienvenue. Va. Merci. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis ton... Alors par contre, du coup, ils sont dans le nord ou dans le sud, les pingouins manchots? Ah, je sais pas, on va dire, on va être pôle nord, ça sonne bien. Pôle nord, ça sonne bien, hein, ouais, ça voilà. Sonne bienvenue dans, du pôle nord. Et tu étais avec Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Tout à fait. Le trio réuni avec les illustrations de Véronique Bulto chez Djeco. 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 20 minutes. On va faire directement même la partie en explication. Ça reste un jeu... Pour les plus jeunes. Oui, bien sûr. Hein, mais comme vous allez pouvoir le constater, a priori, quand on est deux grands jeunes, on peut s'amuser aussi. Ouais. Nous, hein? On a beaucoup joué entre adultes quand on a fait le développement et on s'est bien il amusé. Me semblait quand même. Bien, il me semblait bien. D'ailleurs, du coup, comme je le disais dans l'article, il me semble même que la variante non officielle mais officielle peut être jouée de façon assez méchante, en fait. La variante non officielle officielle. Tu sais, où tu pitches et puis tu dégages. Oui, tu peux effectivement être un peu méchant. Un peu méchant, hein, voilà. Ça fait rarement gagner, mais tu peux être un peu méchant. C'est ça, exactement. Glisse-Glace, c'est déjà disponible. Tout à fait. Ça coûte, on va dire, quoi, une trentaine d'euros, hein, histoire de ne pas se planter. Et c'est un jeu avec des pichenettes. Je vais laisser Théo faire la mise en place et vous allez voir que la scénographie est juste délicieuse. Ah, un des trucs qu'on a pas mal bossé et sur lequel on s'est fait plaisir. Ouais. Je te reprends juste sur un mini truc. Ah, vas-y, bah, fais. C'est un 2-5 joueurs. Ah, c'est apparemment. Ouais, on peut jouer jusqu'à 5. On peut aller jusqu'à 5. Voilà, ben ça m'apprendra. Il y a 5 totems. Je vais sortir. Ouais, il y a 5 petits animaux totems. Il y a 5 petits totems. Je te laisse récupérer ouais, la boîte. Je récupère la boîte parce que je le mets dans le devoir de Trick Track. C'est comme ça qu'on fait par chez nous. Pour faire patienter les gens, je te laisse montrer ces très chouettes figurines de pingouins. Et on pourrait se dire, on va jouer avec les pingouins. Eh ben oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que les couleurs, c'est pas nous. Donc, vous ne pouvez pas commencer comme mes enfants ont fait. Moi, je choisis jaune et moi, je prends vert. Mais non, attendez, je n'ai pas expliqué les règles. Je crois que j'aime bien faire ça. C'est un peu pareil dans SOS Dino où il faut apprendre un peu aux enfants au début qu'ils ne vont pas jouer le dinosaure préféré. Bah oui. Mais pourtant, après, ils le font un peu en jeu. Ouais, hein. Quand même. Ils sont un peu. Tu as envie de dire, ah bah tiens, lui, ils vont le sauver facilement. Oh tiens, t'arrêtes pas de toucher le bleu. Ouais, fais gaffe, c'est pas comme ça que ça te rapportera le plus de points. Donc, on a des papas pingouins. Tout à fait. C'est pour la chanson. Hein. Ouais, clairement. Est là, c'est vrai. Ils sont là à 10% pour ça. Ah oui, oh purée. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Alors, je vais regarder hop, dans la caméra pour installer bien qu'on puisse voir parfaitement. Ça va peut-être faire un air de jeu un tout petit peu resserré. Mais... Oui, c'est bien, ça sera plus dur. Parce que c'est, en vrai, tu peux faire un peu aussi oui, comme y a une dire. Mise en place. Hein, mais si tu as envie de faire un peu plus large, clairement, un peu plus serré. C'était une de nos volontés, même, c'était de faire un truc suffisamment qui puisse s'adapter à n'importe quelle table en fait. Ouais. Ce qui est un peu le défaut des fois des jeux de pichenettes qui prennent un peu de place. Alors. Et là, en l'occurrence, nos papas, bah, ils... enfin, j'ai dit nos papas, bah, non, parce que ce n'est pas nous les pingouins, mais ils nous surveillent, on joue sur la banquise. Clairement. L'histoire, c'est ça, c'est nous, on est les petits pingouins, et on s'amuse à sauter d'iceberg en iceberg, sous le regard attentionné, mais néanmoins attentif, des papas pingouins qui vérifient qu'on ne fait pas de bêtises. la mise en place, elle est donc comme ça, on fait un triangle avec les icebergs sur lesquels on place les papas pingouins, et on place ensuite trois gros palets, un petit palet, avec quatre pingouins aléatoirement, hein, on s'en fiche de quelle couleur et sur quel palet. Voilà. On t'as fait des piles les couleurs. De couleurs. Hop. Paf. Attends, si je les mets à la caméra, c'est plus facile comme ça. Et une pile de papa pingouin pas content. Voilà. Bon, ils ont plus l'air blasés que pas contents finalement. sur l'illustration, mais on va le dire. Ils sont pas très contents quand même. Dites, Mme Bulto, on peut les faire blaser moins et plus pas contents. Mais c'est bien mais, parce que moi. Mais j'aime bien, tu vois, ils ont une bonne tête de genre, oh là là, oh, vous ils sont encore à faire n'importe quoi dans la glace, là, les gars. Et puis on a des totems. Tout à fait. Qui vont représenter beaucoup. Les joueurs. Et donc, tu peux choisir celui que tu préfères. Eh ben moi, je vais prendre Bibi Fock. Sachant qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment pas exprès, ouais. Que à part le lièvre des glaces, c'est des animaux qui bouffent les pingouins, généralement. Dans je suis pas sûr Oups. Pour le morse, hein, mais effectivement, le Oups. Renard, le phoque et l'ours polaire ne sont pas des amis des pingouins. C'est pas des potes. Ouais, non, ils peuvent d'accord. Les manger, ok, bah, moi, je vais prendre celui qui ne mange pas trop. Du coup, je vais prendre le renard, d'accord. Parce que c'est quand même un super animal. Tu peux retirer les autres, du coup, okay. On n'en aura pas besoin. C'est bien la preuve qu'on peut jouer jusqu'à 5. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on a, et on a également trois gros palets supplémentaires qu'on ne va pas pour utiliser. Pour chacun son sien. Pour qu'on en ait chacun. Du coup,
Dans Glizlias, donc, c'est un jeu de pichenette comme tu l'évoquais. On va plus être sur une famille de jeux de pichenette de précision à la croquignole qu'un truc où on essaye de tout envoyer valser. D'accord. Donc les enfants, ne bourrinez pas. C'est ça. Tentez de faire doucement, sinon papa pingouin pas content. Il y a une vraie tentation à bourriner. Franco, hein. Du coup, c'est rigolo parce qu'il y a un espèce d'apprentissage aussi qui se fait bien. Je l'ai pas mal animé sur des festivals ou avec des enfants en fait directement ou en boutique. Ça démarre sec. Et c'est assez rigolo de les voir un peu excités au départ à tout défoncer, à se dire bon, je vais un peu faire attention assez rapidement. Ouais. C'est un jeu auquel on va jouer chacun notre tour. Un tour de jeu, c'est assez simple. Je prends mon palais et je dois le placer n'importe où autour de l'espace de jeu, qui est du coup délimité par les trois icebergs et les papas pingouins, en étant à une distance d'environ 10 cm, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas me coller directement sur le trou. Facile. Donc, c'est là où on a cette petite mise en place où là on est un peu serré, mais on aurait pu imaginer sur une grande table, ou du moins avec un grand angle de caméra, enfin un grand espace, etc. Ouais. C'est assez libre à la liberté des joueurs. On pourra. On en refera une. Si je perds, on en refait une. Je ne suis pas extrêmement bon, comme d'habitude. Moi, je fais des jeux, mais je ne gagne pas au jeu général. Lorsque c'est à moi de jouer, je prends mon palais, je me place donc à une distance raisonnable et je donne une petite pichenette en direction de l'aire de jeu. Okay. Est-ce que vous avez décidé ou pas d'autoriser avec pouce ou sans pouce? On est libre de faire d'accord, ce qu'on en sachant qu'avec le pouce, notamment plus parce qu'avec les plus petits, alors c'est 6-12 ans sur la boîte, moi j'ai joué avec des 4 ans et avec quelques adaptations ça marche. Et les 4 ans ont tendance à plutôt faire ça. Ah oui, d'accord. Et à le lancer réellement. Ouais, joli. Et en fait, si tu refais ça, c'est très cool, Théo. Mais j'y crois pas des masses. Mais j'avoue qu'entre grands, moi j'ai tendance à faire une pichenette parce que c'est le plus agréable. Et donc derrière, je fais une petite pichenette en direction de l'espace de jeu. Plusieurs cas de figure, j'en ai fait un nul pour présenter d'ores et déjà. Tout à fait. Bien vu, Théo. Si jamais mon palais est arrivé dans l'espace de jeu, mais pas à portée de pingouin et j'ai rien fait tomber, je mets simplement mon petit jeton animal totem dessus et le tour d'après, je pourrais commencer de cet espace-là. Ce qui me permet de, si je ne suis pas très à l'aise en dextérité, éventuellement, hop, faire des petits coups et puis me rapprocher petit à petit. D'accord. Le but étant, et je vais essayer de le faire du premier coup, mais normalement, sous la caméra, je ne vais jamais y arriver, mais... un peu trop fort de réussir à mettre un iceberg suffisamment proche, donc un palais, d'un iceberg qui contient un petit pingouin. Je vais le rapprocher un peu pour tricher. Ah, là, ça passe. Si on a besoin de vérifier, c'est effectivement ça la manip. Oh, on le voit bien à la caméra. On place le pingouin entre les deux icebergs. S'il tient debout, c'est bon. S'il ne tient pas debout, c'est pas bon. Donc, ça nous permet de jauger la distance de cette manière-là. Ouais. On va tricher un peu, imaginer que j'ai réussi à le coller suffisamment près. À ce moment-là, le pingouin de la couleur, hop, saute sur mon iceberg. Je récupère cet iceberg-là que je remets devant moi et je gagne un jeton de la couleur des pingouins. Donc là, tu prends un jeton rouge. Là, je prendrai un jeton rouge. Les jetons des couleurs de pingouins… Ils ont des valeurs différentes, hein, il me semble. Hop, je vais tous les mettre. Ah bah oui, tiens, comme ça. Ils vont de 1 à 3. 2, 1, 3, 2, 1, 3. Qui vont nous rapporter des points à la fin de la partie. La subtilité étant qu'à la fin de la partie, on va garder un seul jeton par couleur de pingouin. Ce qui va éviter le côté de « je suis au beau côté de la table » et tac, je vais envoyer toujours vers le rouge. Ouais. C'est ma couleur préférée et tout, super. Bah, à la fin, je vais faire 3 points maximum. Maximum. On va être obligé un peu de se diversifier. Ouais. C'est une autre petite adaptation que je fais généralement avec les tout-petits. À 4 ans, je les laisse prendre plein de jetons. À la fin, on compte ils tous les points plaisir. Parce que c'est un peu plus facile de faire ça comme okay. ça. Quitte à même faire un point par jeton plutôt que regarder leur valeur. Le dernier cas de figure que je n'ai pas encore expliqué, c'est si je vais trop fort pour une raison X ou Y et que je fais tomber quelque chose. Ah, plouf ! Un bébé pingouin. Là, tout là, comme papa un papa pingouin peut éventuellement tomber. Il peut tomber. Ah, c'est oui, c'est assez rare. Hein. Ils sont surtout là pour la scénographie, tu le disais bien. Mais ça arrive de les faire tomber. Okay. Notamment parce que quand on est un peu fou, on peut essayer de faire des rebonds sur les icebergs. Ça marche. Pas de dingue, mais ça peut faire des belles choses. C'est un mais fou. Si je fais tomber quelque chose, à ce moment-là, je remets les choses en place. Je récupère mon palais et je prends un jeton papa pingouin pas content. Ces jetons, je vais tous les comptabiliser à la fin de la partie pour le coup. Et ils vont me faire soit 0, soit moins 1 point de victoire. D'accord. C'est pas aussi pénalisant, mais il y a potentiellement du moins 1. Hop. Ah bah il y a très peu de 0, hein. Il n'y en a que 3 quand même. Hein. Donc il va falloir quand même vraiment faire attention. Quoi, ouais, à ne pas se prendre des moins 1, ça va jouer à pas grand-chose. Et puis c'est triste de faire tomber des bébés vraiment dans la. On est bien d'accord. Elle est froide et tout, ils n'ont pas trop envie de se baigner. Donc... Eh ben nous on est prêts. On s'arrête dès qu'une pile de jetons est vide, quelle que soit sa couleur. Ça peut être les bébés pingouins ou les papas pingouins si jamais on a trop bourriné pendant toute la partie. On révèle nos jetons, on compte les points, celui qui en a le plus a gagné. Donc tu as bien dit, hein, un par couleur. Un par couleur, tout à fait. Donc maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Tout à fait. Voilà. Tu sais que tu fais un score. Un score parfait. Ça fait quoi si je m'approche du tout petit? Ah, effectivement, je n'ai pas expliqué ça. Bien vu. Le petit palais, il est un peu particulier. Pour deux raisons. La première chose, c'est si j'arrive à faire sauter le pingouin dessus, je récupère non pas un jeton, mais deux jetons de la couleur. Ouais. Donc ça ne va pas me rapporter plus de points, mais ça me paraît d'avoir plus de chances d'avoir un d'avoir 3 ou un 2. Okay. Et également, je récupère ce jeton-là pour mes prochains tours. Ce jeton-là qui est plus petit, qui est un peu plus léger, et donc qui rebondit un peu plus. Ouais. Et donc sur les tours d'après, je peux. Tu peux y aller un peu plus sur cette table, je peux y aller un peu plus fort. Même si là, c'est beaucoup trop fort.
Mais on peut s'amuser à faire des rebonds, ouais. à être un peu plus précis. Ça peut amener des situations de jeu relativement différentes. D'accord. On verra peut-être en cours de jeu. Je te poserai une autre question si jamais ça arrive. Est-ce que tu veux commencer? Écoute, non, je te laisse là. D'accord. Alors, avec les petits, et on peut considérer que comme la table est bizarre. Et que ouais, on peut faire un coup pour du beurre. Oh non! Non, non, j'ai déjà joué. Ah, t'as bon. Déjà joué, alors je peux y aller. La preuve, tu vois, la preuve. J'ai même pas osé aller assez loin. Mais j'avoue que cette table la feutrine ralentit un petit peu. Hein. Alors, moi, je vais essayer de viser le bleu là-bas. Si j'annonce mes coups, ça va être encore plus humiliant quand je vais rater. j'ai pas du tout atteint le vert. On vérifie et il tient pas. Il est un tout petit peu trop loin. Ok. Alors, je vais essayer de faire la situation. Bon, ça marchera pas, mais je pense qu'il est pas assez. Tu voulais savoir ce qui se passe si tu veux faire sauter deux par exemple. Deux. À ce moment-là, tu choisis simplement. D'accord. Tu mets pas les deux sur non, ton. Non, tu mets pas les deux sur un seul iceberg. Tu vas faire bleu ou tu vas tenter ton vert? Je vais faire le vert. Vraiment. Fait blutch. Ça fait blutch. Non, c'est bon. Non, ça passe. Donc là, on voit qu'il tient bien debout. Ouais. Hop, il saute dessus. Je récupère mon palais et je prends un vert. Que je vais regarder secrètement, discrètement et être un peu déçu parce que c'est peut-être un. Je pense que le jaune il passe là. Regarde, joli. Tinton. Donc tu récupères deux jetons jaunes. Papa, j'ai réussi. Je sais, fiston. Ce qui est aussi un bon moyen, alors on est déjà dans des considérations stratégiques alors que c'est un jeu pour les 6 ans, mais de se dire à un moment, je vais essayer d'aller plus vers ce petit truc, pour ce petit palais, ouais. pour faire baisser la pile plus rapidement et donc pour accélérer la fin de partie. Parce que je suis assez… J'ai déjà un 3 c'est ça, j'ai un 3 ou 2. Un 3 et un 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais essayer d'aller chercher le bleu quand même. Oh là là. C'est tellement des sensations différentes. Ah, c'est avec la vraiment très ça étonnant. Change tout. Il faut que j'aille plus fort, je n'ai pas l'habitude. Alors écoute, j'ai le petit, normalement ça risque moins. Je vais tenter un peu plus fort sur rouge. Oh la vache, plus fort, ça ne veut rien dire du tout, hein, garçon. Moi je vais bourriner un peu. Allez, c'est raté. C'est, voilà. C'est moins raté que ça. C'est moins raté que ça n'aurait pu l'être. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de petit. Donc ce qui m'arrangerait, voilà. Oh là là, ça c'était très joli pour le coup. C'est que rouge. Donc là, on vérifie même pas parce que c'est parfait. Je glisse. J'ai le droit à un rouge. Tiens. Merci Théo. Et du coup, en plus, je me suis arrangé un petit. Est-ce que tu aurais le droit de dire oh là là, je vais vite aller chercher. Oh pardon. Oh. Je vais vite aller chercher du rouge et tu le reprends pour aller ailleurs. Non, à partir du moment où tu as ton totem, je suis placé, tu commences. Ouais, d'accord, ok. En fait, c'est dès que je récupère un jeton, que ce soit un pingouin parce que j'étais bien ou un papa parce que j'ai raté, à ce moment-là, je repars de ma. D'accord. De où je veux. D'ailleurs, là, on est sur une table un peu particulière, mais trop d'un côté, je pourrais aller jouer de ce côté si jamais j'ai envie. Bien sûr, j'entends. Alors, je vais essayer de toujours à la conquête de ce bleu. Et ça passe peut-être. Ça passe. Parfait. Ce qui est rigolo, c'est de voir aussi les pingouins réellement jouer. C'est-à-dire que le plateau de jeu, entre guillemets, évolue. Il s'éloigne un peu, il se déplace, il part ici. On avait une vraie volonté d'avoir un peu cette notion de. Alors, le mot est un peu trop fort, mais presque d'intelligence artificielle. Où on ne contrôle pas les pingouins, c'est eux qui vont se déplacer en fonction de ce qu'on fait. Et donc, ils ont presque leur. Alors, de leur petite vie. Très très légère, hein, mais leur petit comportement je me suis mis là, j'ai sauté, etc. Qu'on aime bien. Je tente le rouge. Allez. Alors, tu me diras, je pourrais presque m'appuyer là-dessus pour freiner un peu. Tu peux essayer, mais c'est. Ah, mais c'est trop lent, Guillaume. C'est trop lent. Comme je t'ai vu tenter le rouge, je vais tenter le rouge aussi, du coup. Ouais, donc, c'est là où il y a course. Alors là, on retient son souffle. La Tricaster va-t-elle friser? C'est peut-être un moins 1. Je le mets ici. Tout se passe bien. Tout se passe bien, on peut continuer. Je vais reconsulter mes points en étant un peu triste. C'est magnifique, Théo. Tu es ma source d'inspiration. Beaucoup trop fort, c'est incroyable. Tu es ma source. Zip. Et là, du coup, je me fais un double rouge chez la classe à Dallas. Bon, il dit ouais, viens jouer chez Trick Track, tu verras. Guillaume, il perd son temps. Ils sont sympas. C'est cool et tout. C'est bon pour le moral. Jamais, moi, je perds tout le temps, quoi. Cool. Du coup, il n'y a plus le petit, donc je vais essayer d'aller chercher ce jaune. Donc là, il faut que j'aille. Oh, bien vu. Alors là, par contre. Ça passe. C'était presque un peu trop fort. Eh bien, écoute, tu me laisses une opportunité pour aller chercher du bleu en shootant c'est fort. Vrai. Waouh. Oh, pardon. Beau petit rebond. Mais... Heureusement que c'était le petit, parce que je pense que sinon. Alors, je vais essayer de faire une situation de jeu, non pas qu'elle soit géniale pour moi, quoique, mais comme ça, on pourra l'expliquer, puisqu'elle est rare, mais elle est prévue par les règles. Tu vas me bloquer. Oh, celle-là, elle n'est pas pour le coup. Mais... Germain, il faudra qu'on nous fasse un super ralenti sur ce moment-là. C'était très beau, quoi. Donc maintenant, je suis là, moi. Non, pour le coup, non, c'est pas possible. Mais c'est dès que je te fais tomber, et donc là, t'es arrivé sur moi, mais c'est pas très grave. Ouais. Tu récupères ton jeton et ton palais et tu recommenceras de ta zone de départ. Ah, alors, là, mon but était plus que tu tombes à côté que sur mon truc. Mais... Alors là, c'était magnifique. J'ai eu un moment aussi en festival où un gamin a réussi à
poussé l'iceberg avec son iceberg et le pingouin a glissé et tombé parfaitement dessus. On lui a accordé le point parce que c'était assez logique, mais pareil, c'était très très beau quoi. Ah, je leur aurais même mis un deuxième. On aurait pu lui mettre deux points. Genre deux points d'un coup, tu sors deux jetons. Ah, j'ai essayé, mais ouais, c'était un peu moins fort que toi. Vas-tu me faire tomber ? Je sais pas, je vais essayer, mais je vais surtout essayer de choper ce rouge. Mais écoute, tu n'es pas tombé et je vais quand même récupérer ce rouge. Ok. Ouh, la pile de rouge commence à. Bah oui, alors ça m'embête. Ce qui m'arrange pas de manière. Donc, si je fais un tout petit pitch, je récupère du rouge. Tu récupères du rouge. Ouais, mais ça m'embête. C'est pas vraiment ce que je voulais. Et toi, tu pourrais repartir. Et t'as déjà quatre couleurs, moi pas. Ah, mais j'ai un papa pas content. Mais t'as un papa pas content, c'est vrai. Non, il faut que j'aille chercher du. Il faut que j'aille chercher du vert et du bleu, c'est de l'autre côté. Bon, bah je vais faire. Voilà, pouf. Je récupère un rouge et puis je vais partir de plus loin. Ah bah voilà. Toi, t'as plein de rouges, plein finalement, de jaunes. C'est mieux. Est-ce que je vais jouer un peu stratégique? Donc, finalement, après, c'est mieux. Tu dois avoir ça comme point. Ça y est, les enfants font jamais ça. Jamais, je t'assure. Mais le rouge, il est dur à aller chercher. Par contre, très vite, ils comprennent le système de points qu'il est possible d'améliorer. Et ouais, tu vas rechercher la couleur pour te dire, je peux marquer au moins un 2 facilement. C'est ça, un peu mieux que moi. Et on peut aussi, alors je fais plein d'adaptations parce que c'est vrai que sur les petits, il faut des fois un peu adapter le truc, mais on peut aussi jouer point visible, ce qui enlève un peu de suspense, donc entre adultes, c'est beaucoup moins drôle, parce que là, je ne sais pas exactement si je mets fin à la partie ou pas. Ouais. Mais avec des petits, ça permet de dire, ah bah regarde, l'attaque 1, il est un peu nul, va chercher un 2. Va chercher celui-là. Et d'ailleurs, moi, c'est pas que j'ai un 1 en vert, mais ce vert me tente plutôt pas mal. Fou, c'est bien raté ça. Donc du coup, si je fais... Purée, j'ai peur. Ah, oh, c'est trop fort, Guillaume, bien, t'es un bourrin. Hop. Mais quel bourrin. Ça m'arrange pas mal, ça. Oh là là. Moi, je joue petit bras. Allez, Corentin, sois avec moi. Oh, c'est jaune, je suis vert. Enfin, c'est... T'aurais un 3 jaune, Non, c'est pas ça, mais... Oh, la poisse. C'était pas du tout ce que je voulais. C'est dommage parce que c'était un très beau coup vers le jaune, quoi. Ouais, mais je voulais vert. Ah, puis... Vert, il est pour toi qui l'as. Bon, et je l'ai un peu planqué. Bah oui, du coup, je vais aller chercher bleu. Ah, c'est trop faible, ça fout les boules en fait. Toi, t'es là. Là, par contre, rouge. Petit gêneur. Je t'embête un peu. Oh, puis c'est même pas assez. Alors là, du coup, tu peux mettre fin à la partie. Ouais, peut-être que c'est ce que j'essaie de faire. Eh bah ça ouais. Ça passe bien, le rouge saute. Ah, je récupère le petit paillet, je récupère deux jetons, mais il y en a qu'un. Donc on s'arrête tout de suite. Oh la vache, bah, je vais me faire pilonner. Dans chaque couleur, on garde notre plus gros. Et ah, c'est pas mal parce que j'ai récupéré ce 3 rouges sur mon dernier coup. Je suis deg. Alors que j'ai tous les rouges sauf un. Bon bah je vais avoir, attends, dans les jaunes, je vais avoir 2. Et par contre, mon papa par exemple est pas content, il dans me fait moins 1. Dans les rouges, je vais avoir 2. Et puis bah du coup, j'ai plus que 3 points. Ah, alors que moi, ça fait 3, 6, 10. Moins un 9. Oh, j'ai réussi à te battre, ma némésis. On peut refaire une partie, s'il te plaît. On pourra en faire une. On va en refaire une. Et tu sais quoi? Je te propose un truc. On va retourner la table et on va jouer avec la partie la plus glissante. Grave. Ça, avec c'est plaisir. Une bonne idée. Vous savez quoi? Je vous remontre la boîte. C'était la Tric-Trac Télé dans la partie facile. Un petit peu de freinage. Glisse-glace, fonte des glaces. Glisse-glace, c'est chez Djeco. Ça se joue jusqu'à 5 joueurs. C'est de Théo, Corentin et Ludovic. Théo était avec nous, mais on pense bien évidemment à Corentin et à Ludovic. Toujours. C'est illustré par Véronique Bulto chez Djeco, on l'a dit. Une trentaine d'euros, 20 minutes, 6 à 12 ans, mais rien n'empêche d'y jouer à plus. Et ensuite, on va se retrouver pour une partie un petit peu plus… De compétition. Ouais.